ils vont s'entretuer. Ok, laisse le faire. Ah oui. Viens, viens, viens. Dans les airs. Non, 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 viens. Aïe, putain, c'était petit air. Lance une bombe ou quoi, non? Il y aura trop d'invisibles après. Oh, voilà. Oh, j'ai hâte de m'asper, ils ont tous disparu. Les cadavres des Mongols portaient l'insigne de Subada. Les fantômes étaient sur la bonne voie. On prend la malédiction, enfin. Ouais, vas-y. J'aime bien jouer avec le feu, j'espère juste que c'est pas collé. Les fantômes faisaient face à une terrible menace à laquelle ils ne pouvaient pas échapper. Oh non. Le trésor. Mais l'arc spirituel d'Uchitsune appelait les fantômes. Il leur tardait de déchaîner sa puissance contre leurs ennemis. Là. Les fantômes sentirent une intense souffrance émanant d'un battement de roche. Attends, attends. Tu peux en avoir deux en une flèche. Là, aligné. Merde. Vas-y. Laisse-le moi. Comment t'as fait ça? Voilà une cible. Des cris venus de maisons surattendues. Transpercèrent l'air. Ah ouais, ouais, ouais. Achou, mon bébé.
casse les couilles ceux qui sont invisibles. Laisse tomber. C'est pas grave, t'inquiète. T'en viens là-bas. Ils sont vulnérables. Vas-y, tire, tire, tire. Spirituel encore dans cette maison. La brume qui enveloppait le grand bâtiment se dissipa là. Chaud ou quoi, on va faire le trésor après. Une fois quoi, tous les esprits vaincus, la brume se dissipera. Ouais, t'as vraiment l'œil de flingue, ça. Non, je c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. On aurait lu, hein. Tu l'avais tout à l'heure. Ouais. Je pense qu'il était au début de la zone, non? Non, c'était l'arc aussi, je crois. Ah, attends, là-bas c'est l'arc. Viens. Il est là-bas. Ok. Non, juste d'abord, flèche. T'es prêt à tirer ? Cédèrent leur trésor aux fantômes. T'as vu comment il tirait avec son arc à flèche ou quoi? Ce fils de pute. Voilà, c'est bon. Attends, là il va y avoir des invisibles encore. Attends, il y en a à l'intérieur. Les incantations leur parvinrent des quais tout proches, étouffés par l'épais brouillard. Comment ça se fait que t'as de l'effet sur ton arme quand tu tapes l'eau comme ça?
C'est le skill de l'épée, c'est ça? Ouais. Ah ok. C'est plus lourd. Ah ils sont trop dessus, ok. Oui, je connais pas. Leur partie de l'épée. Ah toi t'es mort, ok. Ouais, je le vois arriver, ils sont deux là. Fais gaffe derrière toi. Hein. C'est le moment de disparaître. Ok. Oh t'es un ouf. Non mais je le sentais, hein. J'allais le toucher. J'ai vu sa vie. Allez, la brume qui recouvrait les quais descendit lentement vers la rivière. Oh, on est trop stylé, attends, ça mérite une photo là. Attends, on fait la même musique à deux. J'ai un film. Stylé. Ouais, comme mais ça. Toi comme... aussi. Attends, viens près de moi. Attends. Ou dos à dos. Attends. Bouge pas. Encore un peu ton pied. Hey, on est des warriors là. Hein. C'est truc de fou. Tiens, viens là. C'est le moment de se ravitailler. Merci. Je n'oublierai pas. Soudain. La voix de Subhata résonna à travers le village. Approchez, fantôme. Mais si j'ai pas vu. Allons-y. Oh putain. Viens m'aider. Par ici. Allez. Les pas lourds approchaient. Les fantômes se préparèrent à se battre. Dans les ténèbres. Ok. Des monstrueux guerriers voilà. De Subhata avaient couvert. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Les fantômes quittèrent qu'est-ce le village. Qu'est-ce qu'il y a? Conscient que d'autres encore subiraient le même sort. Et dos à dos, là, une screenshot aux agissements de Subhata. Je ferai un montage vidéo sur ma chaîne, viens. Stylé. Un album. Merde. Attends, je voulais du dos à dos, attends. Bouge pas! Ça. T'as l'épée à la main, attends. C'est bon. Oh joli.
j'ai 12. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. On a touché, à part partie rapide, mais bon. Je veux dire, pas mal. Hein. On a mis presque 30 minutes, c'est abusé. Bah ouais. Je crois que j'aurai pas le temps d'en faire une en or. Laissez-moi vous compter non. L'une des nombreuses aventures des fantômes. Ouais, ça... peut se comprendre. Donc ça, ok, ça, ok, ça, ok, ça, ok, la porte. Ah ouais. Je vous raconterai l'histoire de votre choix. Bien, commençons. On a un sale niveau là. On peut même attaquer l'or là. On peut faire les missions en or là, non? T'es sûr? À ce niveau là, ouais. J'ai pas mis prêt ou quoi? Quelle légende souhaiteriez-vous entendre? Une de mes légendes préférées. Je suis prêt. Attends, tu veux faire laquelle là? L'avant-dernière, en argent. Vas-y. Et après, c'est la dernière, puis on a fini toutes les missions en argent. Pas mal en tout cas, franchement. Bataille navale. Il est quelle heure là au juste? 4h20. Oh, ouais. On a commencé à quelle heure? Je sais pas. Il était déjà minuit, non? Oui, non. Kevin! Attends. Il y a un rouleau des gars. À mesure que les fantômes approchaient, ils entendaient le martèlement des armes ennemies contre les boucliers. Quand tu vas aller dormir, toi, après? Moi? Mika, ouais. Ouais, ouais, ouais. Normal. Mais quelle heure, ça? La même heure que chez toi. J'ai trouvé... Mon rouleau perdu. Bien joué. Je pensais ne jamais le récupérer. Ah, celui-là, je l'ai compris. Maintenant j'ai 5 cercles. Au lieu de 4. T'as 5 cercles là? Ça va, ouais. Il ne meurt jamais. Oui, comment t'en suis? Moi j'en ai 3. Je sais pas. Les trucs que j'ai lootés.
Ah, là c'est le bateau, ok. À un moment, le bateau, il va avoir des missiles qui vont battre, il faut quitter le navire. Je sais plus si c'est sur la première vague ou le chapitre 2 ou 3, mais à un moment, on devra quitter le bateau. Ça vient trop. Oh, par contre, moi j'ai beaucoup de vie. Oh ouais, moi aussi, ma barre de santé a augmenté. Plus de balles là. Tiens, tu l'as trouvé directement, quoi, le rouleau. Direct. Bon, sur les Mongols. Ah, je sais. Allez, c'est moi qui vous. Bon, je vais vous dire. Après avoir vaincu l'équipage mongol, les fantômes firent voile vers la côte. Ah merde, c'est là-bas. Voilà, déjà la première zone de fuite. Ça a été vite. Ah ouais, là on devra quitter le bateau là, un moment. Quand on aura buté tous les gardes dedans, on devra quitter le bateau. Et les esprits disparus de leur navire. Mais un deuxième navire s'élança pour intercepter les fantômes. Tandis qu'un démon de terre s'abattait sur eux. Là, la cohorte, où il y a la cohorte. Là. Là, c'est
toujours le grappin. L'arc spirituel d'Uchitsune appelait les fantômes. Il leur tardait de déchaîner sa puissance contre la vie. Aucun esprit ne va défier les fantômes. Ah merde, faut qu'on aille sur notre bateau. Non. Fantômes se remirent alors en quête de Tsubasa et de son armée d'esprit. Ça va, on gère bien. Là, là on rush. Hein. Bon, attends, on prend le malédiction ou pas? Ouais, vas-y. Cette histoire devint plus sombre. Les fantômes accostèrent dans une crique réputée pour abriter des pirates. Ces derniers étaient venus de toutes les mers pour servir Tsubasa, car il leur avait promis des richesses extraordinaires. Là, à gauche. Et l'île de Tsushima comme refuge. Dans les ténèbres. Le trésor en nous, il est là. Oh non, il y a encore des... Oh putain, j'ai raté le drapeau. Une de corbeau flottait au vent. Signe indéniable de la présence de Tengu. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas le grappin, moi aussi. Mais sûr que si. Ah ouais, c'est bon. C'est quoi ça, les lampes? C'est pour apparaître, faire apparaître. Ah ouais, le spectre. Ouais. Bon, prépare-toi à faire une attaque critique sur ville.
bien. Garder ma ville. Oh putain, il m'a eu quoi. Non, j'en reviens pas là. Enfoiré. Enfoiré. Je vais trop vite. Hein. J'aurais dû rester avec toi. Bien joué. C'est bon, mais... Excellent. Attends d'avoir ta spé pour mettre les trucs connus. J'ai déjà tout full là. Attends, pas moi. Oh le corbeau, le corbeau, le corbeau, le corbeau, le corbeau. Soirée, je les déteste. Je les déteste. Actif la tienne, je vais garder toujours la mienne, on sait jamais. N'oublie pas que là ça fait des ovnis invisibles. Si vraiment je sens que on va mourir, ben je vais l'activer. Vas-y. C'était un piège. Dernier démon fut vaincu. Bien joué. Le coffre. J'ai manqué de mourir, regarde ma vie. Ah, le piège quoi. J'en vois deux. Attends. Il y a un tambour, c'est au pire. Attends, mais il y a l'ensemble d'attente. Il y aura un tambour. Ouais, vas-y. C'est que là, ma vie... Ils sont là-bas les bandits. Bien cette mission sur le bateau. Ouais. Donc là Ok. Je vais au point, non? Ton âme m'appartient. Ah
n'avez pas encore gagné la partie, fantôme. Oh non, là c'est la merde. Viens, on se casse. Là, là, de la vie, viens. J'ai bientôt masqué en plus, attends, viens. Actif, actif, vas-y. Wow. Moi, je serais toi, je me casse. Ouais, bah, on part. Qu'est-ce que tu fais? Yep, un qui descend. Bien joué. Zubata, enfin vaincu. Bien joué. T'as son vu emprise ça, sur les bêtes. Esprits disparus. Et ils quittèrent. On a joué défense tactique, tu vois. Les on a pas trop foutu. Mais ils savaient que bientôt, ouais, on a pas foutu. Ils devraient affronter Io en personne. Quand j'ai vu les loups là. Je me suis dit non, 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 non. Je retourne en arrière direct. Bien joué. Est-ce que. Ouais, 20 minutes, on a mis. Oh oui. Oh oui. Ça monte. Bien joué. T'as vu ça, les trucs qu'on a? Hein? T'as vu ça, les équipements qu'on a ou quoi? En écoutant ces histoires. Choisissez, puis écoutez. Choisissez, puis écoutez. Une de mes légendes préférées. Voilà. Les esprits de feu d'Irakawa, c'est ça? La dernière. C'est les esprits de feu d'Irakawa? Je pense, ouais. J'ai même pas fait attention, j'ai tapé la dernière. Ouais, c'est celle-là. Ouais. Easy, hein. Pour une dernière mission, celle-là, elle est easy. Ne me dis pas qu'il va se battre contre les esprits de feu de Nyarikawa. Des esprits de feu à fond. Oh, fais gaffe. Prends celui de gauche.
prends celui de gauche, prends celui de droite, il faut aller les péter en hauteur. Oh la porte! Ah les enfants! Les molosses qui avaient senti l'odeur des fonds. Là, il y a un passage. Hurlait d'impatience. La porte était fermée, le passage bloqué. Les esprits de feu restants déchaînèrent une terrible tempête de flammes et de destruction. De où il était, où il était. Enfoiré. Fais gaffe, il a blindé. Les fantômes approchaient de leur objectif de mener à bien les plans d'Io. Plus la colère des esprits grandissait. Mais non.
franchir le portail. Ah, mais il est là. Il est là. Non, non, c'est une blague. Ça peut pas. De quoi, il y avait un truc à récupérer là. Non. Ah, c'est... Un autre esprit de feu se tenait à l'affût dans la tour, par-delà la cour. Un vent glacial se leva, annonçant l'arrivée des esprits. Oh non, mais encore des invisibles. Allez, il me repousse contre le feu, cet enculé d'archer. Non. Bon, j'arrive. Marine, tu peux. Bon. Attends, n'y va pas. Attends. Prends un baril s'il si faut. Attends, les fantômes atteignirent les baraquements. Les rouleaux d'Io étaient cachés non loin de là. Va chercher les barils. On va faire une embuscade. Ah ouais, on va les. Viens, retourne. Vas-y. Vas-y, reviens. Il est où le baril? Ah, ils sont là où je suis. Ah ouais, ok. Fais tout péter. Bon. Okay.
Ça va, tout en sort. Voilà, c'est bon pour ça. Ce texte est sacré. Vous mourrez pour l'avoir profané. Les barils. Non, vas-y. Je mets ma spé. Comme tu veux, je le suis. Ouais, vas-y. Fais la tienne. Non, non, non. Pourquoi le feu maudit aurait été d'enfer? Et les fantômes furent. On prend une malédiction ou pas pour la fin? Bien sûr. C'est là à gauche. Les fantômes furent saisis d'une profonde angoisse alors qu'ils brandissent. J'ai ma super au pire. Si jamais on est en difficulté, les fantômes se rendirent au sommet du fort et découvrirent une porte en fer verrouillée. Reste à quoi ? Faut aller où, là ? Ok. Les forces d'Io surgirent d'un portail. Si jamais on est en difficulté, on revient là, regarde. Un passage vers son Wicca. Là. Oh putain. Il est où? Il est où? Va à l'endroit où il y a le truc qui tire là. Il fallait se débarrasser de ça. Viens, 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 suis-moi. Suis-moi. On a vu. Je sens votre pouvoir, fantôme. Il est où le Approchez. Truc, le missile, là. Montrez-moi son étendue. Ah là-bas. Je l'ai. Tu t'inquiète. Suis-moi. Ben ouais, laisse tomber. Hein. C'est de la merde ça. C'est. Je sais pas comment on va la faire celle-là. Non mais easy. Hein. Mais bon, maintenant on a plus la malédiction. C'est pas grave. C'est easy. Hein. Je vais envie de te tuer, putain. Les fantômes se rendirent au sommet du fort et découvrirent une porte en fer. Vite aller péter les trucs là. On est trop en difficulté, il faut vite s'en débarrasser. Il faut fouiller l'indiscret. Les forces d'Io surgirent d'un portail de sang. Un passage vers son Je sens votre pouvoir, fantôme. Approchez. Montrez-moi son étendue. Je
vois la sueur perler sur vos fronts. Sur la colline, l'armée d'Io se préparait pour l'affrontement. Vas-y, on retourne en arrière là. Vas-y, viens, il y en a plein des. Ton âme m'appartient ! Quel esprit d'équipe pour la fin. Fais gaffe, c'est rien. L'armée d'Io fut repoussée quelques instants et le portail fut dégagé. Les fantômes en profitèrent alors pour le détruire. Le portail de sang fut détruit, et avec lui, le lien d'Io avec Tsushima fut anéanti. Mais les fantômes réalisèrent que la voie était désormais. Ils pouvaient poursuivre Io dans son royaume et arrêter l'Onibaba. T'es obligé de faire de l'or, moi. Regarde, 80. Oh putain, la gourde 80. J'équipe tout, moi. Respect. Et j'ai tué 31 mecs. Et moi 32. Oh. Ça, j'en ai.